Heureusement que ma caméra est très lumineuse parce que je peux vous dire qu'il fait... Il fait bien sombre alors qu'il est midi. Coucou. J'ai pas pu vous prendre ce matin parce que... Alors, j'avais mis mon réveil à 7h. 7h15. Pour... on est samedi, hein, pour avoir le temps devant moi, m'avancer sur pas mal de choses. Et j'ai fait la fameuse chose que je pense on est beaucoup à faire. Le fameux encore 5 minutes. Je me suis réveillée en sursaut à 9h30. Par le facteur. Et je sais pas pourquoi, j'ai sauté du lit, j'ai pas réfléchi, je suis sortie telle qu'elle, enfin pas telle qu'elle, telle que j'étais dans le lit, c'est-à-dire pas très très couverte. Mais j'avais surtout oublié que mon rideau occultant de la porte d'entrée était tombé, avait sauté, donc il y avait un petit vis-à-vis. Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu, d'autant plus que d'habitude c'est une femme, Larry the Boss c'était un homme, bon ben voilà, je ne saurais jamais. En plus c'était même pas le colis que j'attendais, il arrivera lundi. Double déception, mais voilà, la journée a commencé comme ça, c'est magnifique. Par contre, le monsieur du tout, enfin le monsieur des travaux en face n'est pas là, on est samedi, donc le samedi, dimanche, il ne bosse pas. Je vais pouvoir en profiter si j'ai des tournages, des choses à faire. On a un petit bruit dans la maison, c'est le lave-vaisselle. Mais c'est des bruits, comme on appelle, je crois que ça s'appelle des bruits blancs. Quand la fréquence est la même, un peu comme un aspirateur, un sèche-cheveux, ce genre de choses. Et je crois même que parfois, les mamans l'utilisent pour bercer ou endormir leur bébé. Vu que c'est quelque chose de régulier, je crois que ça peut aider. Je vais manger là, ça sera fait, je vais me faire une soupe, je pense. Petit crouton, salade d'endives quand même, parce que sinon, sur les coups de 4 heures, je vais avoir super faim. Et comme ça, ma vraie journée va pouvoir commencer. Je vais prendre la fameuse soupe de chez Lidl qui est très bonne. Crouton ou pas? Non, pas forcément. Les petites endives et du blanc de pouille. Par contre, j'ai vraiment l'impression que justement d'avoir dormi comme ça, ça m'a fait du bien. Parce que oui, je vous ai pas dit hier, donc avant-hier, je vous ai dit que j'avais la migraine, mais le lendemain... Je l'ai pas dit dans le vlog, pareil, et ça m'a tenu jusqu'à 22h50 que je monte me coucher. J'ai eu la fameuse migraine pendant 2 jours, mais là ça va. Donc finalement, je pense que dans ces cas-là, c'est bien de dormir. D'ailleurs, je me suis rendu compte, autour de moi, il y a des personnes qui ne sont absolument pas sujets aux migraines ou qui ont très 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 rarement mal à la tête, enfin la migraine. Et justement, dernièrement, ceux qui, voilà, après parfois des réactions suite à la vaccination ou quoi, ils ont été dans une phase comme ça pendant 2 jours, très mal à la tête. Et là, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, oh, mais c'est atroce, c'est horrible, j'en pouvais plus. Et voilà, bienvenue dans le monde de la migraine. Voilà, c'est prêt, je vais mettre un tout petit peu de poivre dans ma soupe, là aussi. Ah, c'est vraiment, on est sur de la simplicité. C'est ce que j'aime me faire en ce moment. Moi, pour moi, très honnêtement, il n'y a pas de saison pour manger des salades. Oh merde. Voilà, j'ai fait la porte. Et un peu de balsamique et ce sera parfait. Ah bah je mange, je croyais que tu n'étais pas prêt pour manger. Si. Bah, je t'ai pas attendu, bébé. C'est pas grave, je suis en jeté un petit peu. Pourquoi? Mais non, mais t'étais en train de faire, je t'entendais. Bah oui, mais j'ai bien compris. Parce que je vais m'avancer pour tout à l'heure. C'est les fêtes de Noël, je trouve que chacun prend ça, mais pas... faut tout faire pour sa femme. Pourquoi moi je vais me faire manger? C'est fini l'époque. La femme devait subvenir aux ordres de ses campagnes. Son homme. Bon, ça y est, on a fini de manger. J'ai monté le sapin de Noël dans ma chambre juste pour faire une photo, je vais le redescendre. Donc là, je suis en train de faire des essais. Mais. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, donc je vais vous montrer quand même comment ça fait. Et j'ai mis des petites boxes, le boudoir, sous le sapin. C'est mieux, je trouve, que de mettre un petit tapis blanc qu'aurait fait un peu bof, quoi. C'est beaucoup plus joli, là. Hein. Oh, j'adore. Ah, j'ai peut-être allumé derrière, ce que vous voyez là, le lampadaire. Et voilà les petites boxes, le boudoir pour Noël. Ça rend trop bien. Je vais essayer de faire une jolie photo. Donc, si je réussis, je la posterai sur l'Insta du boudoir. Si j'allume ici, ça fait quoi? Bonjour madame. Oh merde, ma caméra aussi, elle est faiblasse. Si jamais... Ah, c'est peut-être joli comme ça. Avec en fond le luminaire. Vous savez que ça prend beaucoup de temps pour faire une photo réussie. Enfin, une photo en tout cas qui nous plaît. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc très joli avec le reflet. Vous voyez l'idée? J'attends que ça charge.
C'est hyper calme dans ma chambre. C'est là que tu vois la différence quand t'as du double vitrage. Faut pas se poser comme ça. Alors, je suis en train de réfléchir. Parce qu'il faut que je m'organise, forcément. Quand tu commences à vlogger un peu tous les jours. J'aurais voulu donc cet après-midi bouger, comme je vous ai dit. Mais je ne sais pas trop où. Et surtout, y a le temps, parce qu'il faut que je monte ce vlog. Je peux pas partir à 30, 40, 50 km, le temps d'y aller, de revenir. Je suis persuadée que pas loin de chez moi, il y a des trucs sympas à faire. En tout cas, à vous montrer. Ça y est, la photo est faite. Elle est trop jolie. Donc, je vous mets l'Insta juste là, si jamais vous voulez aller la voir. Et j'ai trouvé ce que j'allais faire. Il s'est mis à pleuvoir, là. Il y a eu une demi-heure, trois quarts d'heure entre le moment où je vous ai quitté. Une saucée, donc je me suis dit, bah, laisse tomber, je sortirai pas, là ça va mieux. Et j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais vous le dire tout de suite, je vais aller... Oh, il est pénible, il fait son goûter. J'arrive, mais il a une heure d'avance. Vous l'aurez compris, je suis en train de redescendre le sapin de Noël en bas. Mais tu permets? C'est fou ça, hein? Non, 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 je suis pas contente, hein. Mais non, je ne viens pas, Jack, c'est même pas la peine. Est-ce que je peux te soumettre ce que je vais faire, Eric? Oui. Challenge. Alors, ça peut te plaire, ça peut te plaire. J'ai décidé que j'allais chercher cet après-midi, mais il va s'arrêter lui, le gâteau le plus mignon pour notre goûter. Non. J'irai peut-être à Leclerc, parce qu'à Leclerc, il y a la pâtisserie qui est pas mal. Ça te dit ou pas? T'arrives pas à dire pâtisserie? Non, mais il me perturbe, Jack, là. Tu m'entends ou pas? Alors, t'es ok? Bien sûr que je te... Ça te plaît? Bien sûr. Et toi, c'est quoi? Le challenge, c'est de trouver le temps de tout pouvoir faire ce que j'ai envie. Et a priori, ça va être très très difficile, parce qu'il y a des gens qui ont aussi envie de trucs et qui le font faire. Oui, alors attends, je vous explique. Voilà, je vais tout leur dire, c'est bon, je vais leur dire. Non mais c'est bon, je vais leur dire. Non. Attends, parce que dans ton... Absolument qu'on parle de vous. Dans ton bureau, on voit pas des masses avec tes lumières de boîte de night, là. En fait... Je dois, enfin, on doit changer le site. Ça sera exactement le même. Vous, vous verrez pas la différence, mais il y a des images qu'on doit réduire. Il y a, enfin, faut passer d'un site à l'autre. Voilà. Vous, vous ne verrez absolument rien, mais c'est Eric qui s'y colle. Bon, je vais nourrir Jack. Je descends les boîtes. Je me coiffe. Et après, je vais chercher. L'idée, c'est pas de rentrer non plus pour goûter à 6 heures. D'autant plus que si je commence un peu à faire, j'aime pas dire les vlogmas. Faut que je sois rentrée quand même tôt. Fais mal au cœur, je te donne, je te donne. Oui, oui, c'est bon, on finit demain, demain dimanche tranquille. Oui, bébé, merci. Qu'est-ce qu'il dit? T'as, entre Eric et Jack, ça suffit, hein? Deux secondes. Vous l'entendrez plus. C'est magique. Voilà, c'est fini. Je les mets sous le sapin et après je me prépare. J'y vais. Allez. Oh, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Je suis sortie de la maison et j'ai fait la simulation. Je me suis mise devant la porte à la place du facteur et on voit très nettement. Oh non, je suis foutue, je suis foutue. Habituellement, j'ai ma petite chemise de nuit, surtout l'hiver. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu des migraines et en fait, la migraine, je pense que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour moi il y a 3 jours. Quand j'ai trop chaud la nuit et j'avais mis vraiment la couette, j'avais mis un truc pour dormir qui était chaud, et ben ça peut me la faire. Donc je me suis dit, t'as ta couette, une grosse couette bien chaude, ça te suffira. Il faut surtout pas que t'aies trop chaud. Et ça aussi, ça me revient. C'est chiant. De toute façon, on ne peut rien y faire. Hein. J'étais chez moi. Mais bon, voilà. Je vais aller chercher un super gâteau. Je vais commencer par aller chez Leclerc parce que c'est vrai qu'ils ont un très bel espace pâtisserie. Et très souvent, quand je passe devant, je fais waouh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et surtout, je vais être honnête avec vous, je veux absolument acheter de la colle. C'est pour ça qu'on l'a pas repassé. On a de la super colle pour le rideau. Ça me perturbe cette histoire. Celui-là est très beau aussi. Très compliqué de vlogger à Leclerc. Il y a de la musique tout le temps. J'ai trouvé de la colle déjà, c'est bien. C'était clairement pas une bonne idée de venir un samedi à Leclerc, même pour deux, trois petites choses. Trop de monde, trop de monde.
et puis trop de musique. J'ai pas le courage d'aller ailleurs, j'ai eu trop chaud, je rentre, de toute façon j'ai ce qu'il me faut. Ça sera très bien, j'ai pris un petit peu l'air. Bon, vraiment un tout petit peu. Déjà, j'ai pris ça pour éviter qu'on me voie à poil par rapport à ce matin bébé. Non mais c'est pas de la colle, oui. Bah, elle est bien. Mais quoi? C'est pas bien? C'est-à-dire que dans la marque Superglue, c'est la plus puissante des Superglue. Mais c'est pas bien la Superglue pour ça? Si, c'est très bien. Alors... Mais c'est une colle à quoi, t'as regardé? Non, bah, je ne connais pas. Hein. Alors en plus, il y a un truc... Si, ça, a priori, ça pourrait être pas mal. Ok, bon, on fait ça demain. Tout à fait, parce bonne idée. Parce que là, j'ai encore des colis qui arrivent. Bon. Alors, moi, rien à voir, mais je me suis fait un kiff. Je n'ai pas pu résister. Ouais. Oh, c'est mignon, hein? C'est très joli. Alors ça, c'est des guimauves au chocolat, tout simplement. Des bâtonnets de guimauve un peu torsadés. Ça a l'air trop bon. Alors, le mien, qu'est-ce que j'ai pris? Elle est fabuleuse. C'est une mini. Elle n'est pas très grande. Elle est belle. Et puis bon, bah voilà, j'adore. Moi, les forêts noires, c'est ce qui... C'est mon top. C'est dans mon top 3 des gâteaux. J'ai gagné ou pas, celle-là? Oui, pour toi, oui. Pour moi, oui. Alors toi, je t'ai pas pris en traiteur parce que tu... Non, parce que je suis pas fan de tout ça, moi. Ben, voilà, j'aime les choses simples, comme toi. Je sais pas comment je dois le prendre. Et toi, je t'ai pris un cœur fondant, cœur coulant, comme toi. Tu es tout mignon à l'intérieur. Un peu coulant, quand même, à l'extérieur. Ça te plaît? Oui, très bien. Bon, il est pas mignon. Par contre, j'aurais pu te mettre, parce que dans le côté toujours plus, sans déconner. Attends, il y a un petit cheveu, là. Tu rajoutes une boule vanille de glace et un peu de chantilly. Non. T'aimes le chantilly? T'aimes la vanille? Eh bah. T'aimes le chocolat? Oui. Eh bah, tu manges? Oui, non, chocolat. Mais alors, Eric, lui, il fait partie de ces gens qui détestent, par exemple, les Pins, l'association fruits-chocolat. Donc, forcément, bah, si, oui. Oui, oui. Je sais, je lui ai dit de descendre, mais en fait, il a une course. Ça a l'air trop bon. J'adore. Je vais faire quand même une petite photo parce que c'est très, très joli. Allez, j'ai fait mes photos. L'heure du verdict. C'est bon, mais ça manque de croquant. Il me semble dans la forêt noire, il y a le croquant. Alors, est-ce que c'est les petites... ils ont fait le croquant avec ça? Je sais pas, mais ça manque d'un lit croquant, enfin, la génoise, donc c'est bon, hein. Mais, ouais. Putain, c'est vachement bon, en fait. Je me fais à chaque fois une telle idée. Non, mais c'est délicieux. En plus, ce qui me plaît, parce que les gâteaux, là où j'ai vraiment du mal, c'est quand ils chargent en sucre. Je pense que c'est pas nécessaire de mettre autant de sucre dans des gâteaux. C'est encore meilleur, je trouve, quand c'est très, très bien équilibré. Parce que parfois, t'as des gâteaux qui sont très beaux. Tu prends une bouchée, deux bouchées, t'en peux plus, ça t'écœure. Alors que quand tu équilibres bien, là, vraiment, il est bon. Oh, il est grandiose. Et effectivement, quand tu manges avec ça... Ok, c'est parfait. Ce gâteau, je lui mets 8 sur 10. C'est extraordinaire. Waouh. Délicieux. Incroyable. Voilà. Bon, les amis, je suis désolée. Mais je vais pas le répéter à chaque fois. Si je veux tenir ce rythme, il faut que j'arrête maintenant pour que je puisse le monter. Vous commencez à comprendre. En tout cas, ça me fait bien plaisir de faire cette petite série de vlogs sans me stresser, sans m'imposer les choses. Et c'est là, en général, que ça fonctionne. Je vous dis peut-être à demain et vous remercie d'être de plus en plus nombreux, comme je le dis, à me suivre. Bisous, bisous. Salut.